L'univers de la littérature numérique permet aussi de découvrir les livres jeunesse, une activité initiée par l'écrivain gabonais Romuald Yonguingema en partenariat avec la SINC, Société d'incubation numérique du Gabon, et d'autres auteurs de l'écriture. Cette cérémonie nous a permis, au niveau de la SINC, de faire la présentation de l'application comme une application de lecture pour permettre en fait aux jeunes de pouvoir facilement s'adapter, facilement retrouver leurs livres. C'est une application locale pour des livres culturels jeunesse. Une exposition qui raconte une histoire en mettant en avant les us et coutumes gabonais. Dans le déroulé de cette activité, la proposition d'une application incitant à la lecture numérique avec un volet audio. Nous avons une particularité, c'est de faire de la promotion de tout ce qui est tradition. Par exemple, le livre « Toi, comment on fabrique un véhicule en cœur de bambou ?» Comment on fabrique, par exemple, une maison en terre battue. Donc, nous avons une série de livres, une série de manuels pour ces enfants-là. Traditech est une application innovante qui s'adresse spécialement aux jeunes. Disponible sous peu, elle pourra être appréciée du grand public. Ces livres s'appuient sur la tradition et la coutume, car selon des artistes sur les lieux, sans culture, il n'y a pas d'âme.